Coucou les petits chatons. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'affaire Méchant-Loup de Marie-Sabine Roger et Marjolaine Leray, qui est un énorme coup de cœur dont je voulais parler depuis longtemps et j'ai pas pris le temps parce qu'il est quand même sorti en 2019. Bon, ça va, je suis pas trop à la bourre. Ah si, je suis quand même grave à la bourre. Je croyais qu'on était encore en 2020. Voilà. Alors. En gros, cet album jeunesse, qui s'adresse quand même pas aux tout petits, vous allez comprendre pourquoi par la suite, c'est la chèvre de Monsieur Seguin revisitée, moderne, un peu plus critique de la société. Le texte est particulièrement très chouette parce qu'il est tout en rime, et c'est pas chiant du tout, au contraire, et il est très profond. Est très philosophique et ça vous pose plein de questions même en tant qu'adulte. Moi il m'a mis une petite claque hein, j'avoue, je suis pas un enfant mais bon voilà. Ça pose notamment la question de qui on est en fonction de comment on est du verbe naître et de comment on est perçu par les autres en fonction de tout ça et ça aborde plein de thèmes, vous allez voir ça de suite. C'est l'histoire d'un loup solitaire qui vit tranquillement dans la montagne en se nourrissant d'une souris de temps en temps car il avait un très petit appétit. Non loin de là, Monsieur Seguin, éleveur de biquettes, raconte des histoires terrifiantes de loups tous les soirs à ses chèvres afin de leur faire passer l'envie de s'échapper. Car, je cite, « aussi étonnant que cela puisse paraître, la peur du loup est pire que celle du boucher ». Malgré tout, de temps en temps, une biquette se laisse tenter par l'aventure et s'enfuit. Quand elle croise le loup, elle croit que tout est fini pour elle, mais que nenni, le loup qui n'a aucune envie de bavarder indique aux fugueuses la direction de la frontière. Le pays voisin, n'étant peuplé que de végétariens, était un vrai paradis pour les biquettes échappées qui, bien entendu, ne revenaient jamais. Je cite, « Là, l'ingrate oubliait bien vite la chèvrerie, les mangeoires, le foin et son ami Monsieur Seguin qui lui avait fourni le gîte. Pas le moindre texto pour dire qu'elle allait bien. » Évidemment, Monsieur Seguin est persuadé que les biquettes manquantes ont été boulottées par le loup. Un jour s'échappa Blanchette, une chèvre au fort tempérament et très bagarreuse qui chercha ce fichu loup. Quand elle le trouva, elle lui donna la raclée de sa vie. Le pauvre loup innocent tenta de se protéger, mais il fut martyrisé par Blanchette toute la nuit, si bien qu'au matin, il était à moitié mourant. Attention, spoiler, si vous ne voulez pas connaître la fin, il faut passer votre chemin. Au moment où il ouvrit grand sa gueule pour pousser un dernier cri, la chèvre se jeta sur lui pour un assaut final. Par un malheureux hasard, la tête de Blanchette se retrouva entre les mâchoires du loup qui, poussant un hoquet de surprise, tua la chèvre accidentellement. Le loup fut arrêté et jugé, personne ne crut à sa version, car tuer une biquette était un crime odieux, il fut condamné à 30 ans de prison. Puis, juges et avocats s'en allèrent fêter ça au restaurant où on leur servit, je cite, « une des jolies chevrettes du bon Monsieur Seguin, toute nappée de jus à saucer sur du pain ». Voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc c'est un album que je conseille pas avant le CP, mais c'est un... Voilà, un outil qui permet vraiment d'aborder énormément de thèmes avec les enfants. La morale, la justice, l'injustice, les préjugés, la violence à la fois des individus et à la fois des institutions, le végétarisme et le spécisme. Bref, vraiment énormément de thèmes qu'on peut... travailler avec les enfants. Si vous êtes par exemple enseignant, animateur, éducateur, bibliothécaire et que sais-je, parent, tout simplement. Ça coûte 12,90€, c'est édité chez Le Seuil Jeunesse et si vous n'avez pas 12,90€, vous avez sûrement une bibliothèque pas très loin de chez vous et s'ils n'ont pas ce livre, demandez-leur de l'acheter car vraiment c'est un must have. Si je puis me permettre. J'espère que ça vous aura donné envie de lire ce livre et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des bisous.